se trouve exactement dans la Manche. Alors sorte ton manteau, on va aller visiter. Finalement on s'adapte, on va manger dans la voiture notre petit pique-nique pour l'instant parce qu'il y a un peu de vent. Et donc après nos petits wraps de pique-nique, nous allons goûter la brioche de Vasse, qui est la seule spécialité de la Manche en dehors de la Torgoule. Ah, vous n'allez jamais me croire. C'est un goût de brioche. C'est un goût de brioche nature. Bah tu sais à quoi comme goût. Je veux goûter ces fruits de dragon. Non, je veux pas goûter ça. Ça, par contre, c'est fou. Attends, mais moi j'ai cru que maman a ça. Regardez, le petit pont est là. Il est interdit d'y aller, il y a un panneau. C'est cool, moi je pensais qu'on aurait pu faire une petite photo dessus. Regardez ce petit décor magnifique. Après cette petite déception, on est parti à Saint-Val-à-Hougues. Ça a permis de voir les bottes aux pêcheurs et d'observer les élevages d'huîtres avec une longue vue. Et Jade a fait 2-3 roues avant de tomber. Et on a été sur une plage aux alentours pour chercher des coquillages, mais on les a pas mangés. Tu vois, là-bas, l'île de Tatiou, il y avait deux options, c'était soit on allait là-bas, mais c'est une île qui me semble un peu surcotée. Enfin, qui me semble, j'ai déjà été, donc je sais qu'elle est surcotée. Traverser se fait avec ce bateau, avec des roues, en cas de marée basse. La deuxième option, c'était s'il faisait pas très beau, ce qui est le cas, c'est qu'on aille à la cité de la mer. Et donc nous voici à la cité de la mer et on va commencer par la visite du sous-marin. Alors pour info, c'est quand même 50€ pour nous trois l'entrée. Je vous laisserai juger si ça vaut le prix ou pas par vous-même. Je pense que c'est l'endroit le plus calme de la planète. Vous êtes tous avec vos écouteurs, il n'y a pas un bruit. Voici notre hôtel. Nous sommes dans un château. Comme vous voyez, c'est dans son jus. Un château de 1960. La petite cuisine authentique. Une première chambre. Celle de moi. Qui est hantée. Hey, un salon. Et une deuxième chambre. Avec vue sur le jardin. Après une nuit de sommeil, on se réveille tous un peu la tête dans le cul et c'est l'heure du petit déjeuner. Puis après on a repris la route direction Jobourg, mais d'abord on a fait une petite escale au port Racine. Et ça c'est Jade qui est encore contente. Et pourquoi? Parce qu'elle est partie chercher des coquillages. Et finalement, nous voici au Nijobourg, où on s'est juste arrêté au point de vue. On n'a pas fait la petite rando parce qu'il était déjà l'heure d'aller au resto. Petite pizzeria à Vauville, avant d'aller attaquer le jardin du château. Et on enchaîne avec le jardin de Vauville. Et vous pourrez remarquer qu'il y a beaucoup de végétation en fait dans la Manche parce que c'est un écosystème qui permet de faire pousser tout et n'importe quoi.
Mais bon, on avait faim, il était déjà l'heure du goûter. Alors on s'est arrêté à la maison du biscuit à Sorteauville. On a fait 2-3 dégustations sur place, et ensuite on est reparti pour prendre un grillé que j'avais trouvé en matinée. C'est un espèce de chausson aux pommes, alors soit fourré à la pomme, soit à l'abricot pistache. Mais bon, les deux ont préféré manger une compote. Ça, c'est la tête que ma chérie fait quand elle entend un groupe zzzz. Et avant d'aller au Mont-Saint-Michel, pour cette dernière journée, on va explorer le fameux plus beau kilomètre de France. Ouais, là ça sent l'arnaque quand même. Je m'avais pas dit que c'était comme ça. Surtout que le Mont-Saint-Michel, c'est déjà comme ça. Que ce soit vraiment le plus beau kilomètre de France. C'est sympa à faire, surtout pour la Normandie. Mais ah, tu peux descendre. On a vu bien plus beau ailleurs. Donc, soit on va au Mont-Saint-Michel à pied depuis le parking, soit on fait la queue de la navette gratuite. La queue. On est enfin sorti de cette galère. On peut respirer. Et voilà, le petit week-end touche à sa fin. On rentre gentiment à la maison. C'était bien ? Oui ! Elle est déjà dans son film. Prochain voyage en Islande. J'ai peur, j'en ai un. La peur juste de s'asseoir sur un siège. Le gamin, il nous voit descendre, il fait tombe. Genre, on monte, il est tout à coup. On n'est pas tombé. Un hobbit, c'est un monsieur qui monte sur le lit. Ah oui, on voit les lits là-bas. Allez, tiens. Et voilà, un boulet pris en flagrant délit de chute. Attends, j'ai plus à m'enlever. Lui, ça fait mieux ou pas? Quoi, t'as demandé à boire? Non. T'as fait un pot encore? Non, ça filme pas, mais maintenant oui. Non mais maman, c'est chaud. Je l'aime en mourir pour le meilleur et pour le pire. Si je monte au ciel, il y a peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pedri. Johan sera en voyage en notre pays. Allez, faites ces bagages, je vous invite des amis.